Eh bien, bonjour à tous les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez tous compris ce que je vais préparer, je vous explique tout ça dans la vidéo. N'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin, de commenter, de liker et de partager. Allez, à tout de suite. Donc voilà, pour ceux qui ont compris, d'ailleurs, mon ami Stéphane, tu vas te souvenir de tes séjours, de ce petit chat-là, d'ailleurs, où tu avais passé le Congarling. Et bien là, on est en train de passer le Vibro. Voilà, pour semer les maïs demain. Donc demain, je sème les maïs parce que toute la semaine prochaine, ils annoncent de l'eau. Et le problème, c'est que toute la semaine prochaine, ils annoncent de l'eau. Donc du coup, c'est un combat contre la montre parce que il fait beau. Il pleut. Et j'ai envie de vous dire, honnêtement, on a un peu du mal à travailler dans les champs. Pour la seule raison, c'est que le temps qu'on prépare, on reprépare, et le temps après qu'on refait tout nécessaire, on va sortir le soir et tout. Bon, après, là, on se la fait. Bon, du coup, moi, tout est prêt. Donc là, je prépare les sols et demain, je sème pour que ce soit fait parce que dimanche soir, chez moi, dans les orages. Alors, à l'heure où je vous parle, il fait super chaud. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en short et en maillot. Mais j'ai mis la clim, mais il fait trop chaud. Voilà, donc je vous fais voir le Vibro. Et après, je vais voir un petit peu à l'extérieur. Donc voilà, je reprépare. Donc le labour, il a été préparé, mais je reprépare. Vous voyez, c'est un petit peu vert. Et c'est pour enlever ces choses-là. C'est pour ça que je ressors le Vibro. Donc voilà, donc je suis avec mon Vibro. Canadien Vibro, mais en réalité ça s'appelle un Vibro parce que là-dedans elle vibre, là-dedans elle fait des vibrations. Donc c'est pour tout enlever et après je sèmerai et derrière on roulera. Bah, faut pas trop rouler fin parce que si vraiment les orages sont forts comme l'autre jour, bah, je serai content et ravi de surtout pas de faire fin parce que mes tournesols, heureusement je n'ai pas fait fin parce que bah, du coup les gros orages qu'on a eu ça les a amortis, sinon ça aurait tout cassé. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de vouloir préparer et puis de dire on a le temps. Non, avec les orages, la pluie, j'espère que la moisson ça va pas être comme ça. Ça va pas être comme ça. Donc voilà, donc du coup je suis avec mon 6830 Premium et avec le Vibro Razol. Donc j'espère que ça va pas être comme ça tout le temps parce que jusqu'à présent depuis le mois d'octobre, ça n'a pas arrêté la flotte. Je sais pas si chez vous, dites-moi en commentaire. Je sais qu'il y en avait certains bah, qui n'avaient pas fait encore leur maïs. En gros, c'est un peu comme moi. Et puis d'autres, bah, ils ont pu avancer. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est la dame météo qui nous commande. Nous, on n'est plus rien. On peut rien faire à ce niveau. Bon, allez. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter, ElodieAgriTB, TikTok, ma page Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!